Alors, dis-moi, est-ce que tu es quelqu'un qui soutient le mouvement des Gilets jaunes? Je soutiens les Gilets jaunes, le mouvement, les manifestations. Je suis un peu partagé parce que les manifestations, parfois, ça vire effectivement à des problèmes sur la capitale, dans les villes également, puisque il y a des gens forcément qui ne sont pas dans un bon esprit pour manifester calmement, sagement, sainement, et puis les autres qui, on va dire en créole, qui mettent le bordel, quoi, en fait. Mais est-ce que toi, tu penses que... Je suis de la banlieue sud, donc je soutiens les Gilets jaunes, même si j'ai jamais été manifesté. Mais je soutiens par rapport à déjà l'attitude des politiques depuis une trentaine d'années vis-à-vis des Français, des Antillais, entre autres des Dominiens, etc. Je soutiens par rapport à ça. Et est-ce que tu penses que le président apporte des réponses convenables aux revendications, justement? Je pense qu'il est complètement à l'opposé des attentes des gens. J'ai près de 50 ans et toute ma vie, j'ai effectivement vu des gens, des politiques, même autour de moi, des proches, même en entreprise également. J'ai souvent l'attitude d'être dans l'attente et donc d'espérer que la personne qui est en face de toi réponde à tes attentes. Et visiblement, on a un gouvernement, on a un président qui a du mal à être à satisfaire les attentes des gens. Alors, je ne sais pas si dans la pratique c'est évident de faire ça, de dire ce que je suis en train de dire là, parce qu'effectivement quand tu réponds à des attentes, il y a forcément de l'autre côté une balance qu'on appelle effectivement les moyens, le budget, etc. Et je ne sais pas si le gouvernement et forcément le président est en mesure de satisfaire toutes les attentes. Notamment des manifestants et puis des gilets jaunes entre autres et puis de la population aussi. Je pense que c'est pas évident. Mais quand tu vois que c'est lourd de responsabilité et difficile. Mais quand tu vois qu'il y a des grands patrons qui sont capables de pouvoir donner des sommes, 2 millions d'euros, 1 million d'euros, alors que les gilets jaunes, enfin les personnes qui manifestent, puisque on parle tout de gilets jaunes, on parle de la population, comment est-ce possible qu'on puisse investir autant pour une cathédrale et pas pour pouvoir augmenter les salaires? Je sais pas salaires, si ça s'appelle de l'investissement, mais je pense que voilà, c'est deux poids deux mesures en fait. C'est-à-dire que tu as des gens capables de donner beaucoup d'argent pour du béton, ou des murs, des choses comme ça, de la pierre en fait, et puis parallèlement, bon, il y a la souffrance aussi des gens, quoi, en fait. Investir dans l'humain, c'est pour du très difficile. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Je ne sais pas ce qu'on attend lorsque ces patrons donnent autant d'argent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent effectivement en retour. Mais je trouve ça un petit peu injuste parce que derrière, il y a des populations, des gens en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles, qui souffrent énormément. On visite chaque année la Martinique ici et puis il y a des choses qui sont... Tu sens qu'il y a une grande précarité en Martinique? Voilà, précarité, pauvreté et puis forcément il n'y a pas d'évolution. Il y a des changements dans certains domaines et puis d'autres, le mode de vie, la situation ou la vie des gens importe peu à certaines personnes en fait. Ce que je trouve un petit peu injuste. Voilà.